Bonjour Hongmi. Bonjour Martine. Alors, tu m'as fait le plaisir de me faire lire ton livre Femmes écorchées et j'aimerais en savoir davantage sur toi et sur ce livre aussi. Pourquoi l'as-tu écrit? Je l'ai écrit parce que j'aime écrire, c'est une passion. Depuis longtemps, j'ai toujours rêvé d'écrire des livres et surtout d'être publiée. Donc, c'est vraiment un rêve que je réalise. J'ai souhaité écrire un roman policier parce que, voilà, je suis fan de polar. C'est toujours été mes livres préférés. Voilà. Donc, je voulais, étant fan de polar, je voulais lire un roman policier qui se passait ici. Et je me suis dit, ben, pourquoi ne pas l'écrire moi-même, quoi. Oui, parce que maintenant, on reconnaît que le genre polar, c'est un genre littéraire à part, qui quand même permet de raconter pas mal de choses, parce que du coup, tu as traité de l'inceste et de la pédophilie à travers ce roman policier. Alors, pourquoi ce thème? Eh bien, je me suis pas mal inspirée de faits divers. Et oui, c'était évident pour moi qu'il fallait que je parle de ça, étant une femme et souvent discutant avec d'autres femmes, c'est ce qui ressort. On connaît toujours quelqu'un qui, enfin, on connaît toujours. Voilà, c'est un problème vraiment, j'ai l'impression, assez présent à Fétis. Oui, et tu me disais que justement dans ton cabinet d'esthéticienne, tu pouvais recueillir des confidences et ça t'avait aidé à étayer ton roman. Oui, c'est vrai, mes clientes m'ont pas mal inspirée, certaines, peut-être pas elles seulement, mais elles connaissaient quelqu'un qui avait vécu des choses similaires. Donc oui, c'était un peu une façon de leur donner la parole aussi. Voilà. Et est-ce que tu crois que justement le fait de le lire pour certaines personnes, ça va aider à libérer la parole? Je ne sais pas. Il faudra leur demander. Tu as eu des Vraiment, échos je ne quand sais même? pas. Tu as eu des lecteurs et des lectrices? Oui. Et tu as eu des retours? Comme quoi, ça leur a permis Non, de ou ça leur s'exprimer, a tu veux dire? plu, ou ça les a émus, ça les a horrifiés, ça. Eh ben, oui, ça leur a plu, la plupart, et j'ai eu de très bons retours. Ouais. Et certaines me disaient elles me disaient, ah, mais c'est tout à fait ça, c'est exactement ça. Donc, ça fait plaisir parce que je me dis, ben, ça va, j'ai vraiment réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire parler du quotidien un peu des personnes qui vivent à Tahiti, quoi. C'est pas toujours rose pour tout le monde. Et les personnages qui jouent les enquêteurs sont très réussis. Est-ce que tu t'es inspiré de personnes que tu connaissais dans la police ou ailleurs? Oui, bien sûr. D'abord, j'ai des sources. J'ai rencontré plusieurs personnes puisque j'ai pu rencontrer des vrais policiers. Je suis allée sur place faire des recherches pour coller au plus près de la réalité. Donc, voilà, j'ai recueilli des témoignages. Les policiers m'ont raconté certaines choses. Et je pense que c'est un mélange de plusieurs personnes que j'ai croisées dans ma vie aussi. Oui, parce que les personnages sont tout à fait véridiques et chacun a bien sa personnalité différente. Et Oui, il faut essayer. tu as un personnage que tu as trouvé plus particulièrement attachant, sur lequel tu t'es projeté davantage? Je pense qu'ils sont tous. Enfin, je suis très attachée à tous mes personnages, en fait. Hein. Il n'y a pas de C'est. chouchou, il n'y a pas de chouchou. Oui, on met tellement. C'est ça, on met tellement de soi dans chaque personnage pour les rendre vrais. Donc, c'est difficile à dire. Ouais. Alors du coup, J'ai pas de justement, chouchou. ces personnages, cette équipe d'enquêteurs, est-ce que tu vas donner une suite? Oui, d'ailleurs, il va bientôt paraître, je l'espère cette année.
Ça sera une nouvelle enquête avec les mêmes personnages, voilà. Oui, donc ils te connaissent bien maintenant, eux. Je plaisante en disant Oui, les ou c'est enquêteurs moi te connaissent qui... Oui, ils me connaissent bien. En tout cas, ils me hantent souvent, donc je pense souvent à eux aussi. Voilà, je me demande comment ils vont évoluer, comment je peux les faire évoluer. Parfois, j'ai l'impression, oui, de les connaître mieux que je ne me connais moi-même. Donc voilà. Oui, finalement, tu donnes vie à d'autres personnes. Est-ce que tu as déjà le titre et le synopsis de ce roman? Oui, alors pour le titre, j'ai, c'est Pater Familias, et cette fois, j'ai plutôt voulu raconter des histoires d'hommes. Voilà. Oui, comme ça, tu as toute la palette de la Et société. ça, plutôt sur fond de drogue, de stupéfiants, voilà, ce qui est aussi beaucoup d'actualité en ce moment, les trafics d'ice. Hélas, La hélas. consommation de paca, l'alcool. Donc là, ça sera plutôt un univers plutôt masculin. Bien, ben on attend avec impatience puisqu'il devrait sortir quand à peu près? Mon éditeur ne m'a pas donné de date encore, mais je pense que ça sera cette année. Ouais. Voilà, il est terminé alors. J'espère, parce qu'avec tout ce qui se passe, ce n'est pas évident. Ouais. Comment? Il est terminé. Ah oui, il est terminé. Il est terminé, il est chez l'éditeur et j'attends, voilà, j'attends une date de parution. La maquette est faite, donc voilà, c'est en cours. Alors, du coup, tu es peut-être déjà sur ton petit troisième? Oui, effectivement, je fais des recherches pour le troisième. Pour le troisième, ça sera, j'aimerais vraiment beaucoup parler des jeunes, des ados. Je trouve que c'est un sujet aussi sensible. On entend souvent parler des bagarres dans les écoles ou des jeunes qui se font agresser, des bandes, des choses comme ça. J'ai envie de parler de ça pour le troisième. Voilà. Donc, j'aurais fait les femmes, les hommes et puis les jeunes. Oh ben, je pense que vu ton imagination, tu ne vas pas t'arrêter là. Oui, j'espère trouver l'inspiration oui, pour continuer. Donc, C'est pas toujours facile. en tout cas, femme écorchée, un livre très prenant, très bien écrit. Je te remercie, Romy, et j'attends la suite avec Merci de m'avoir lu. impatience. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.